Patrick, nous vous remercions de rester connecté sur notre page Facebook afin que ensemble nous puissions partager la parole du Seigneur. Nous allons donc prier avant de pouvoir commencer. Tendre Père, nous te disons merci pour le souffle de vie que tu nous accordes, la santé, la disponibilité. Plusieurs ont certainement désiré voir ces jours. Plusieurs ont désiré se tenir sur leurs deux pieds. Certains ont désiré également voir le soleil s'élever. Mais tu as décidé, selon ton bon vouloir, de nous accorder ces dons. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous te disons merci. Le temps que nous allons partager en ces lieux, que cela soit une bénédiction à la fois pour moi, pour mon frère et pour ma soeur. Nous avons ainsi prié par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Voilà. Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur et nous sommes encore une fois très contents d'être avec vous et de célébrer avec vous cette Pâque. Parce que chaque fois que nous sommes en train de partager la parole, en réalité, nous sommes en train de célébrer la Pâque. Parce que la Pâque consiste à partager l'agneau, à manger l'agneau. Je vous avais dit que je suis en train de tourner une série, un film en série de 6 épisodes. Donc nous parlerons sur la concubine, adultère, infidèle, répudiée et coupée en 12 morceaux. Nous en parlerons pendant 6 émissions. Donc aujourd'hui nous abordons la deuxième partie. Et je suis en train d'espérer que le Seigneur nous fera grâce pour que en six parties que nous puissions terminer. Livre des Juges, chapitre 19. Nous sommes dans les livres des Juges, dans son chapitre 19. Juges. Je vais donc lire le premier, le deuxième et le troisième verset. Il est écrit, dans ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Dans ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fit infidélité. Alors, la Bible dit, je continue, permettez. Alors, sa concubine lui fit infidélité. Elle quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem, où elle resta à l'espace de 4 mois. Dieu aidant, nous allons expliquer les 4 mois dont la concubine a passé dans la maison de son père. Son mari s'éleva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramena. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Et il les fit entrer dans la maison de son père. Quand le père de la jeune femme les vit, il les reçut avec joie. Voici les 3 versets que nous allons exploiter. Je vous avais dit que nous allons donc prendre beaucoup de détails, parce que c'est ça le ministère doctoral. Des mots, des virgules, des versets, des fois que vous passez outre. Mais nous allons nous asseoir là-dessus pour dégager la pensée de l'Éternel. C'est comme je vous ai toujours dit et comme j'ai toujours tendance de le répéter. Le ministère, c'est donc la capacité que Dieu donne à un homme de pouvoir révéler les choses cachées. Car la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et celle de roi, c'est de les révéler. Or, ce que Dieu a caché, en réalité, Dieu s'est caché lui-même. Voyez-vous? Donc, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, veut tout simplement dire que Dieu lui-même s'est caché. Et comme Dieu s'est caché lui-même, nous avons, nous, comme mission, de pouvoir faire sortir Dieu de sa cachette. C'est ça le ministère. Le ministère, c'est notre capacité de faire sortir Dieu de sa maison. Or, vous comprenez que Dieu a commencé à se cacher depuis la création. Avez-vous remarqué cela? La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et il n'y avait que de l'abîme
les ténèbres sur la surface de l'abîme. Dieu crée les oiseaux, il crée les animaux, vous savez. Et le sixième jour de la création, il est attesté que l'Éternel va donc créer l'homme à son image et selon sa propre ressemblance. Une fois que Dieu a fini de créer l'homme, écoutez, je vous avais dit la fois passée que l'homme, c'était la maison de Dieu. C'est Dieu lui-même qui s'est créé une maison. Donc, en créant Adam, Dieu se faisait sa propre demeure. Il se faisait sa propre habitation. Parce que la Bible dit que l'Éternel Dieu n'habite pas dans des maisons faites des mains des hommes. Donc, tout ce que l'homme peut faire, Dieu ne peut pas habiter dedans. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu doit se créer sa propre maison. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi il créa l'homme Adam à son image et à sa ressemblance. Retenez ce que j'ai dit, frère, parce que c'est très important. Lorsque Dieu a fini de créer Adam, j'explique que Adam, c'est la maison de l'Éternel. L'Écriture dit, alors Dieu souffla dans les narines d'Adam. En d'autres termes, Dieu est entré dans sa maison. Donc, Dieu venait d'entrer dans sa demeure. Vous comprenez? Cela veut dire que l'Éternel Dieu venait de se cacher. Voici, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Déjà, le fait que Dieu entre dans le corps d'Adam, nous comprenons automatiquement qu'il vient de se cacher. Et c'est vous comprenez? Donc, Dieu devient un mystère par la création de l'homme. Parce qu'il s'est caché à l'intérieur. Voilà pourquoi quiconque regardait Adam ne pouvait pas voir l'exactitude de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu était caché dans sa maison, dans sa demeure. Voyez-vous? Suivez-moi attentivement. Maintenant, le ministère de la parole, c'est donc la capacité que Dieu nous accorde de déchirer le corps d'Adam pour révéler cet homme de Dieu qui s'était caché à l'intérieur. Écoutez-moi bien entendu. Et je vous avais dit le samedi passé, lorsque j'étais en train d'expliquer la concubine, je voudrais m'arrêter là 2 minutes pour que nous puissions cheminer ensemble. Je vous avais dit que lorsque vous lisez les livres des juges, la Bible parle de la concubine qui a été infidèle au Lévite. J'ai expliqué que le véritable Lévite, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai dit que la concubine des Lévites, c'est la femme illégitime. C'est celui qui n'était pas reconnu. C'est celui qui n'était pas aimé. C'est celui qui n'était pas comptabilisé. Parce que la concubine, c'est celle qui n'est pas une femme légitimement mariée. Et à ce titre, je vous ai expliqué que ici, la concubine est représentée par le peuple des nations. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas droit de citer en Israël. Nous étions étrangers aux alliances de l'Éternel. Voyez-vous? Donc nous n'étions pas considérés comme étant l'épouse de Dieu. Laissez-moi donner 2 ou 3 écritures. Souffrez, je suis en train de chercher ces écritures. Voilà, nous sommes dans Éphésiens, le chapitre 2. Je vais commencer par le verset 10. Éphésiens, chapitre 2. Je commence par le verset 10. Il est écrit ceci. Non, commençons par le verset 11. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, qui le sont à la chair par la main de l'homme. Ici, le bien-aimé Paul fait une différence entre les incirconcis et les circoncis. Or, vous comprenez que les circoncis, ce sont les fils d'Abraham quant à la chair, c'est-à-dire les enfants d'Israël
quant à la chair, les fils de Jacob quant à la chair, c'est ce que Paul appelle les circoncis. Voyez-vous, il dit, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis. Donc, les païens sont des incirconcis. Alors que Israël, c'était un peuple circoncis. C'est pourquoi tu vas remarquer, pour établir l'alliance entre Dieu et Abraham, Dieu va donc ordonner à Abraham de faire circoncire tout enfant mâle qui naîtra dans sa maison le huitième jour. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Qui était le signe de l'alliance entre Dieu et Abraham. Ici, je n'entre pas dans les détails de ce qu'on appelle l'alliance de la circoncision, parce que c'était notre enseignement. Mais j'ai évoqué cette écriture pour vous faire comprendre tout simplement que le peuple circoncis des dieux, c'est Israël. Alors que nous, le païen, nous sommes des incirconcis. Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 12, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés des droits de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, nous les païens, nous n'avions pas droit de cité, nous étions étrangers aux alliances et nous n'avions pas de Dieu. C'est ici que j'ai expliqué la notion de la concubine infidèle. J'ai expliqué que quand vous prenez la concubine, qui en réalité est l'image de la femme illégitime, de la femme non mariée, ici vous comprenez automatiquement que cette concubine-là et l'image de nous, nous les nations, excepté Israël. C'est pourquoi, quand vous prenez le sage Salomon, vous allez remarquer que le sage Salomon, la Bible dit qu'il avait 1000 femmes. Dans les 1000 femmes de Salomon, Salomon avait 700 femmes qu'il avait épousées légitimement. Et il avait 300 femmes considérées comme étant des concubines. Donc quand vous prenez le 700 femmes plus le 300 femmes de Salomon, c'est alors que vous avez les 1000 femmes de Salomon. Sans entrer dans la révélation de ces choses, vous comprenez que les 1000 femmes de Salomon en réalité ne forment qu'une seule femme. Parce que Paul dit des deux, il n'en a fait qu'un. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, mais quand tu prends Salomon, tu remarqueras que Salomon avait 700 femmes légitimement mariées. Or, les 700 femmes légitimement mariées représentent la maison d'Israël. Et Salomon avait 300 concubines. Les 300 concubines, est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Le 300 concubines, en réalité, représente les femmes étrangères, les nations de la terre. Laissez-moi lire l'écriture qui m'a été donnée par mon collègue, le bien-aimé Roland. Roland vous recommande de lire 1 Roi, chapitre 11, le verset 3. Nous allons lire ça ensemble. 1 Roi, je vais commencer par le premier verset. 1 Roi, chapitre 11, je commence par le premier verset. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Voyez-vous, frère? Donc, quand Salomon est en train d'aimer les femmes étrangères, cette écriture cache la pensée de Dieu, de Christ, qui nous a aimés, nous qui étions des étrangers. Voyez-vous? C'est pourquoi j'ai toujours été contre les gens qui pensent que lorsque Salomon prend plusieurs femmes, que Salomon est polygame. Non, 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 non. Salomon nous renseigne les mystères du royaume. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Pourquoi? Parce que Salomon n'est que l'ombre. Salomon n'est que l'image. Salomon n'est pas la représentation exacte des choses. Or, la représentation exacte des choses se trouve en Christ et Jésus. Donc, quand Salomon est en train d'aimer les femmes étrangères,
Alors que Dieu avait dit à Moïse, son serviteur, qu'un juif ne peut pas épouser une étrangère. Souvenez-vous, lorsque Moïse épousa Séphora qui est une étrangère, il y a eu le murmure parmi ses frères, parmi son frère et sa sœur. Vous comprenez? Parce que la loi était claire que tu n'épouseras pas une étrangère. Mais nous allons voir Moïse épouser une étrangère. Est-ce que Moïse avait-il contredit la loi de Dieu? Nous disons non. Dans la révélation, Moïse expliquait le mouvement de Christ qui va épouser une femme étrangère. C'est ce qui explique la vision de Salomon. Donc, quand Salomon épouse des étrangers, je précise ici que les étrangers représentent la concubine, la femme illégitime. C'est pourquoi les pharisiens, n'ayant pas l'œil prophétique, ont dit de Jésus, si cet homme est vraiment prophète, comment mange-t-il avec des gens de mauvaise vie? Or, les gens de mauvaise vie représentaient les incirconcis. Voyez-vous, les gens de mauvaise vie représentaient les étrangers. Donc, Christ, c'était un amoureux des étrangers. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi l'Écriture dit, les pharisiens étaient étonnés de dire, si cet homme est véritablement prophète, comment il est toujours accompagné des gens de mauvaise vie? Parce qu'ils n'ont pas compris que ce que Christ était en train de faire, c'est le mouvement des juges, chapitre 19. Le Lévite qui avait sa concubine. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi il est écrit, outre la fille des pharaons, des Moabites, des Ammonites, des Odonites, des Sidoniens et des Étiennes. Oh, regardez-moi ça. Donc cet homme de Salomon avait des femmes Moabites, avait des femmes Ammonites, avait les femmes des Édomites, des Sidoniennes et des Éthiennes. J'aime ça. J'adore ça. Avez-vous remarqué que les femmes de Salomon, à part la fille de Pharaon, Salomon avait 5 catégories de femmes. C'est pas ce qui m'intéresse. Or, les 5 catégories de femmes expliquent tout un ministère. Parce qu'ils étaient au nombre de 5. Outre la fille de Pharaon. Je suis en train de passer parce que là, je vais délever juste les panneaux. Je passe. Je reviendrai au jour du Seigneur. Verset 2. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles. Elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. J'aime ça. Donc, c'est l'amour qui a poussé Salomon d'aller vers les étrangers, vers les femmes étrangères. Or, nous comprenons, le véritable Salomon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, les gens accouraient de partout pour écouter la sagesse qui sortait de la bouche de Salomon. Il s'était ici, un homme plus que Salomon. Jésus parlait de lui-même. Donc, nous comprenons que c'est l'amour. Nous comprenons que ce qui a poussé Salomon à aller vers les femmes étrangères, c'est l'amour. C'est pourquoi il est écrit. Dieu a tant aimé le monde. Voyez-vous, c'est l'amour qui a poussé le Seigneur Jésus-Christ de nous aimer. Nous qui étions des étrangères, nous qui n'avions pas Dieu, nous qui n'avions pas droit de citer en Israël, nous étions étrangers aux promesses et aux alliances de Dieu. Mais l'amour de Christ s'est manifesté en ce qu'il est venu vers nous. Nous, des incirconcis, nous les étrangers, en d'autres termes, nous sommes devenus la concubine de Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, je continue. Il eut 700 princesses pour femmes, ça c'est toujours Salomon, et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Ça c'est encore un autre enseignement. Vous voyez, frère, c'est pourquoi je vous avais dit la fois passée, lorsque j'étais en train de mettre la balustrade, je vous avais dit ceci. Quand tu es en train de lire la Bible, le texte
texte, l'histoire dans son entièreté peut dégager le passé de l'écriture. Mais à l'intérieur de l'histoire, nous avons des portions des écritures qui sont aussi sujets des autres enseignements. C'est pourquoi un ministre, c'est celui qui marche avec un ciseau. Il a donc la capacité de couper une portion de la viande, de sortir avec cette portion de la viande pour nourrir un peuple. Est-ce que vous comprenez? Mais le morceau de la viande fait partie du corps. C'est pourquoi, quand tu es en train de lire la Bible, et qu'on te dit que le cœur de Salomon a été détourné par les femmes étrangères, il faut faire très attention. Parce que là encore, c'est un autre enseignement. Parce que c'est à cause de ces femmes-là que Salomon va mourir. Christ nous a tellement aimés. Il a tellement aimé la femme étrangère. Il a tellement aimé l'église qu'il a accepté de mourir. Voyez-vous, frère? Donc, en venant vers nous, les étrangers, la femme étrangère, en réalité, c'est une pensée qui cache la mort du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, Salomon. Vous comprenez ce que nous disons? Maintenant, je disais ceci. Salomon avait donc 700 princesses, femmes mariées légitimement. Et j'ai dit, et je précise, que les 700 femmes représentent la maison d'Israël. Si vous comprenez ce que nous disons, les 700 femmes mariées légitimement représentent la maison d'Israël. J'ai fixé sur mon peuple d'Israël, 70 semaines, voyez-vous, c'est le chiffre 7 qui concerne Israël. Donc, le chiffre 7 concerne d'abord Israël. C'est pourquoi quand Pharaon a rêvé, il va rêver 7 vaches maigres en train d'avaler 7 vaches grasses. Je t'informe que cette vision, ces songes-là, concernaient d'abord Israël. Mais ce qui est étonnant, ce qui est révélateur de la pensée de Dieu, c'est que dans le 7 maigre, il y a 7 autres vaches qui sont dedans. Voyez-vous, frère? Qui sont incluses. Le temps me manque, frère. Parce que je vais vous expliquer pourquoi aussi Jacob, lorsqu'il voulut se marier, il travailla 7 ans pour avoir Léa, qui représente aussi la maison d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Mais le père va lui dire, mais dans les 7 de Léa, je vais introduire 7 autres qui concernent Rachel. Mais écoutez, frère, si quelqu'un regarde la dot de Jacob, il ne verra que le chiffre 7. Parce que les autres chiffres 7 de Rachel sont inclus dans les chiffres de Léa. Ça, tu n'as pas vu. Hein? Tu n'as pas. Tu ne peux pas comprendre ça. Hein? Tu ne peux pas comprendre ça. Ce sont les 7 vaches maigres qui avalent. Voyez-vous, frère? Donc, les grasses sont avalées par les maigres. Donc, quand nous regardons, nous ne voyons que 7. Alors que ces 7-là est 2 fois. Vous voyez? Donc, il y a 2 fois 7. Mais quand nous regardons, donc, à l'intérieur de ces choses, nous trouvons à la fois la loi et la grâce. Je vais revenir. Souffrez, je vais revenir. Écoutez maintenant. Donc, Salomon avait 700 femmes légitimes. Et il avait 300 concubines. La Bible dit des femmes des nations. Pourquoi 300? Parce qu'il y a tout un mystère autour de la mort et de la résurrection de Christ. Parce que, souvenez-vous, la mort et la résurrection de Jésus concernent premièrement les nations. Parce que Israël, lui, il ne s'attendait pas voir un Messie souffrant et mourant. Israël s'attendait voir
le fils de David, qui doit régner sur le trône. Écoutez ce que j'ai dit, frère. Je vous avais dit de me supporter parce que nous faisons la marche de la révélation. Donc, je pars de révélation en révélation, jusqu'à révélation. Israël s'attendait voir le fils de David. C'est lui qui régnera éternellement sur le trône. Mais Israël a oublié que les maigres devaient avaler les grâces. Donc, il y a quelque chose de caché que le peuple n'a pas vu. Il n'a pas vu qu'il y a 300 concubines qui vont s'attacher aux 700 femmes légitimes de Salomon pour qu'ensemble qu'ils forment 1000 femmes. Or, les 1000 femmes, en réalité, c'est le chiffre 1. Donc, ce n'est qu'une seule femme. Voyez-vous, frère? Je descendrai là-bas doucement. Là, je suis dans juge. Pour vous amener à comprendre que la concubine, dans Juges chapitre 19, verset 2, je suis seulement au verset 2, que la concubine ici représente d'abord les nations de la terre, c'est-à-dire les autres peuples hormis Israël. Et l'écriture dit que cette femme lui fit infidélité. J'ai expliqué l'infidélité des nations de par la désobéissance d'Adam. J'ai expliqué que lorsque Adam n'a plus obéi à la loi de Dieu, lorsque Adam s'est détaché de la volonté de Dieu, en réalité, Adam était devenu infidèle. Est-ce que vous me suivez? Adam était devenu infidèle. Et je vous avais dit, frère, que lorsque Adam devient infidèle, nous comprenons que la chute d'Adam, c'est la chute de toute l'humanité. Car l'écriture dit que c'est par un seul homme que le péché est entré dans l'humanité. Je crois que c'est Romains. Romains chapitre 5, le verset 12. Lisons cela. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Voyez-vous, frère? Donc, la mort d'Adam entraîne la mort de toute l'humanité. En d'autres termes, le péché d'Adam, c'est l'infidélité de toute l'humanité. Est-ce que vous voyez ce que je ferai? C'est très important de retenir ça. Donc, quand l'écriture dit que cette concubine lui fit infidèle, comprend la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, comme nous, nous sommes infidèles, nous sommes les concubines, la concubine de Dieu. Comment sommes-nous devenus infidèles? Nous sommes devenus infidèles par le péché d'Adam. Et la Bible dit, lorsque Adam a péché, Adam a fui. Donc, la seule présence du péché chez Adam a amené Adam à fuir. Est-ce que vous me suivez? Ici, Adam représente la concubine. Mais je vous avais dit, frère, dans Juges chapitre 19, le verset 3, souffrez, je vais rentrer là-bas. Juges chapitre 19, le verset 3, il est écrit, son mari s'éleva et alla vers elle. Voilà, le verset 2 nous parle de la concubine. Mais le verset 3 nous dit que son mari. Donc, automatiquement, nous comprenons que la même femme vient de changer de costume. Dans le verset 2, elle était concubine, image de l'étrangère.
Mais dans le verset 3, la même femme devient l'épouse. Et je vous avais dit, quand la femme porte le manteau de l'épouse, la femme devient donc image d'Israël. Pourquoi? Parce que Israël, c'est la femme de Dieu. Israël, c'est ce que Dieu a choisi. Je vous avais donné quelle écriture la fois passée. Je vais encore aller le chercher. Je crois que c'est Esaïe qui nous dit cela. Bon, si je ne trouve pas, je reviendrai là-dessus. Donc, je vous avais expliqué la fois passée comment Dieu appelle Israël son épouse. Donc, le Dieu de la terre. Bon, je n'ai pas trouvé, mais je reviendrai là-dessus. Si le Seigneur nous prête vie. Donc, le verset 3, nous voyons comment la femme est en train de changer de costume. C'est très important. C'est ce que j'ai toujours dit aux bien-aimés, que l'écriture, on peut la balancer parce que Dieu est en train de dribbler dans les écritures. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Car ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Ton rédempteur, le Saint d'Israël, il se nomme le Dieu de toute la terre. J'aime ça. J'adore ça. Je reviendrai ici, mon bien-aimé. Et voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Donc, le verset 3 des Juges, chapitre 19, nous fait comprendre automatiquement que cette femme-là devient, par conséquent, par les tournures de la Bible, cette femme devient aussi l'image de l'Église. C'est pourquoi j'ai toujours été contre les gens qui ont toujours tendance à présenter une vision monolithique des Écritures. Donc, les gens qui pensent que parce qu'il a dit que les cinq portiques de la piscine de Bethesda, pour lui, ce sont les cinq livres de Moïse. Mais quand nous allons lui expliquer que c'est aussi le cinq ministères, il a des difficultés pour comprendre. Et nous avons beaucoup de jeunes frères qui sont restés cramponnés sur une vision monolithique. Voyez-vous? Alors que nous sommes en train de balancer la nuée pour que les différentes couleurs de l'arc-en-ciel soient perceptibles. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a donc ici une contradiction apparente. Que dans le verset 2 des Juges 19, on l'appelle concubine. Mais dans le verset 3, on va l'appeler femme. J'explique pourquoi cette différenciation. Parce que dans le verset 2, cette concubine représente les autres nations de la terre, hormis Israël. Alors que dans le verset 3, cette femme représente Israël. Maintenant, avez-vous remarqué que lorsque Adam pêche, il va y avoir deux mouvements. Le premier mouvement, c'est que Adam lui-même va fuir. J'ai expliqué que cette fuite d'Adam représente les nations de la terre qui ont péché dans Adam. Mais l'écriture dit, Dieu s'est mis à la recherche d'Adam et ensuite il trouva Adam. Après avoir trouvé Adam, il les revêtit de la peau de l'animal. Ici, Adam qui est en train d'être revêtu par la peau de l'animal représente la maison d'Israël. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi attentivement. Donc c'est toujours la concubine qui est en train de changer de costume. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que Dieu nous a fait grâce d'entrer dans les jardins. De dribbler, de sortir, sans blessure, sans coup. Vous voyez, frère, Adam a péché Ève, mais l'Éternel Dieu, il fit un vêtement en peau d'animal. Il couvrit la nudité d'Adam. Mais ce qui est étonnant, après que le Seigneur ait sacrifié l'animal et qu'il ait pris la peau, il y couvrit la nudité. J'interpelle votre conscience spirituelle pour vous dire le temps où Dieu était en train de prendre la peau de l'animal.
Parce que pour prendre la peau de l'animal, Dieu a dû tuer un animal. Est-ce que vous comprenez ce que nous avons? En d'autres termes, il y a eu un sacrifice qui a été accompli. Donc, nous avions un sacerdoce qui s'est accompli pour revêtir Adam et Ève. Et ce sacrifice-là, c'était un sacrifice de sang. Est-ce que vous voyez ça? Parce que pour avoir la peau de l'animal, l'Éternel a dû tuer l'animal. Et nous croyons que l'animal a fait couler son sang. Voyez-vous? Dieu prit la peau de l'animal. Il va donc couvrir la nudité d'Adam et Ève. Or, ce que Dieu fait là, en réalité, c'est le sacerdoce mosaïque. C'est le sacerdoce de Lévi qui consiste dans les sacrifices des animaux. Est-ce que vous voyez ça, frère? Suivez-moi attentivement. Parce que ici, je suis en train de toucher maintenant Adam comme étant l'image d'Israël. Pourquoi? Parce que les sacerdoces des animaux, c'était un sacerdoce qui reposait sur la maison d'Israël. Est-ce que vous suivez ça, frère? Donc, les sacerdoces de Moïse consistaient dans l'aspersion des sang des animaux. Voilà pourquoi, bien que l'Éternel ait tué l'animal et que le sang soit versé, il prit même la peau, il revêtit Adam et Ève, mais Adam et Ève ne sont pas rentrés dans le jardin. J'aime ça. Voici la révélation. Parce que techniquement, si le fait de tuer l'animal remettait le péché d'Adam et Ève, en d'autres termes, si le sang de l'animal pouvait pardonner le péché d'Adam et Ève, certainement que Adam et Ève devaient rentrer dans le jardin. Mais avez-vous remarqué, malgré le fait qu'ils soient revêtus de la peau de l'animal, Dieu les a quand même chassés. Il les fit sortir. Nous comprenons que les sacerdoces d'Aaron, qui consistent dans les sacrifices des animaux, ne peut pas donner accès au peuple de rentrer dans les jardins. Voilà pourquoi, maintenant, quand Adam est en train de sortir, cet Adam-là qui est en train de sortir, qu'on est en train de chasser, en réalité, c'est la maison d'Israël. C'est la femme infidèle. Vous voyez? Ici, je ne parle pas de la concubine. Hein? Est-ce que vous me suivez? Cette nuance, elle est très importante. Ici, je ne parle pas de la concubine. La concubine, lorsque Adam pêche, j'aime ça, lorsque Adam pêche, il y a quelqu'un qui m'a écrit. Bon, le bien-aimé, bien-aimé Messi, il n'est pas très sûr que les 70 semaines de Daniel ne concernent qu'Israël. Je confirme que les 70 semaines ne concernent qu'Israël, sauf qu'à la 69e semaine, on va ouvrir une brèche pour faire entrer les nations. Mais quand tu lis l'écriture, j'aime ça, frère. Hein? J'aime ça. Donc, la Bible dit, je ne sais pas si on peut faire un détour là-bas avec votre permission, hein? Parce que pour ne pas laisser les frères se perdre, nous pouvons aller lire cette écriture-là. Daniel chapitre 9, à partir du verset 24. Daniel, tu permets, frère, hein? Donc, nous allons d'abord lire ça. Daniel chapitre 9, à partir du verset 24. Il est écrit ceci. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, amener la justice éternelle, pour sceller la vision, le prophète, et pour oindre les saints des saints. Je répète, les 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. De quel peuple il s'agit? Il s'agit premièrement d'Israël. Sur ta ville sainte. Quelle est la ville sainte? Jérusalem. C'est pourquoi j'ai dit, premièrement, quand tu lis, tu verras, c'est d'abord fixé pour Israël. Sauf que, quand tu lis le verset 26,
C'est là où j'avais dit, quand Jacob est en train d'épouser Léa, il y a une brèche qui s'ouvre pour que Rachel rentre. C'est là où tu n'as pas encore saisi. Mais ne vous en faites pas. Dans la concubine, j'expliquerai toutes ces choses. Mais prenons quand même le verset 26. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastateurs dureront jusqu'au terme de la guerre. Tu permets, mon bien-aimé Stéphane, que nous lisions le verset 25. Sache-les donc, comprends, depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fosses seront rétablies en deux temps fâché. Voilà. Donc, quand tu lis d'abord, tu comprends que Dieu, parce que Dieu ne peut pas se contredire. Pourquoi j'ai dit que Dieu ne peut pas se contredire? Dieu ne peut pas se contredire parce qu'il a d'abord fait alliance avec Israël. Il s'est d'abord choisi Israël. La Bible dit, Dieu jeta les regards sur toute la surface de la terre. Il regarda toutes les nations de la terre. Il choisit Abraham. Il prit donc Abraham. D'Abraham, Dieu va d'abord choisir un peuple physique qu'on appelle Israël. Mais nous comprenons dans la prophétie que derrière Israël, il s'est caché une portion des nations. Donc, c'est comme ça qu'on explique l'écriture. Donc, mon bien-aimé Stéphane, donc, d'abord c'était Israël. Je reviendrai. C'est pourquoi tu vois, quand je suis en train d'expliquer Juges 19, je balance la concubine. C'est très important. Je balance la concubine pour faire sortir à la fois Israël et les nations. Mais dans la doctrine, Dieu s'est choisi d'abord Israël. Ce n'est pas pour rien que Pierre avait raison de dire, Dieu nous a choisi, nous, les Juifs, les circoncis. Il n'a pas choisi, c'est pourquoi, je vais répéter ça. Regardez, la Bible dit ceci. Un jour, Pierre était en train de prier. Pendant que Pierre était en train de prier, il verra une nappe qui descend du ciel, accrochée par ses quatre coins. J'aime ça, j'adore ça. C'est une vision. Mais nous pouvons interpréter la vision. Mais la nappe qui descendait du ciel était accrochée des quatre coins. Ici, j'ai dit que les quatre coins, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Maintenant, dans la nappe, il y avait les animaux impurs. Et dans la vision, Dieu dit à Pierre de manger. Pierre répond, il dit, rien d'impur ne peut entrer dans ma bouche. Et Dieu dit, ce que moi j'ai déclaré, toi, tu ne peux pas dire que c'est impur. Parce que Pierre avait l'enseignement que le Dieu d'Israël est pour Israël. Il n'est pas pour les nations. Mais dans la vision, Dieu était en train de lui expliquer que je viens d'ouvrir une brèche dans la maison d'Israël pour que les impurs puissent entrer. Est-ce que vous comprenez? Pour que les impurs puissent avoir accès dans ce qui était réservé pour Israël. C'est pourquoi nous prions les dieux d'Israël. La Bible que nous lisons concerne premièrement d'abord dans la doctrine Israël. Mais nous comprenons que dans la prophétie, c'est ce qui avait échappé à beaucoup de juifs, que Dieu avait prévu l'entrée de la femme étrangère. Est-ce que vous voyez ça? Bon, je crois avoir répondu à ta question. Mais nous pourrons revenir plus tard parce que mais dans les explications, nous verrons les nations entrer. Mais premièrement, c'était pour Israël. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est venu premièrement chez les siens. Ouais, premièrement chez les siens. Maintenant que les siens ne l'ayant pas reçu, il se tourna vers les nations. Toute la Bible, c'est ça, frère. Donc, il est d'abord les dieux d'Israël. Remarquez cette chose. Maintenant, regardez. Adam, Dieu le fait revêtir de la peau de l'animal.
Nous disons que c'était les sacerdoces d'Aaron. C'était les sacerdoces de Moïse. Or, ces sacerdoces d'Aaron, de Moïse, ne donnent pas accès au royaume. Voilà pourquoi, quand bien même que Jésus les a revêtus, quand bien même que Christ les a, Dieu les a revêtus de la peau de l'animal, il les a quand même chassés. J'aime ça. Vous comprenez? Donc, il les a quand même chassés. C'est pourquoi je vous avais donné l'écriture la fois passée. Jérémie chapitre 3. J'ai lu le verset 8. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné la lettre de divorce. Ah bon. Donc Dieu avait donné la lettre de divorce à Israël. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc l'Éternel Dieu avait donc donné une lettre de divorce à Israël. Voyez le ministère. Maintenant, nous allons vous poser la question. Montrez-nous où Dieu a-t-il donné la lettre de divorce à Israël. Les scribes, donnez-nous l'écriture. C'est écrit où? Maintenant, toi qui es ministre, explique-nous où est la lettre de divorce. Est-ce que vous comprenez? Donc, donnez-nous la lettre. Quelle est cette lettre de divorce? Parce que la lettre de divorce répudie quelqu'un. Donc, quand on te donne la lettre de divorce, on te chasse. La lettre de divorce t'éloigne de ton mari. Est-ce que vous me suivez, frère? Nous comprenons que la lettre de divorce, c'est la loi. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Parce que la loi a fait en sorte que Israël ne soit pas rapproché de Dieu. C'est par la loi que Israël a connu le péché. Donc, Dieu, en donnant la loi à Israël, en réalité, Dieu était en train de chasser Israël. Donc, nous comprenons que la peau de l'animal dont l'Éternel s'est servi pour revêtir Adam, c'était toute une lettre. C'était la lettre de la répudiation. J'aime ça. J'adore l'évangile. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, la loi est une lettre de divorce. C'est une lettre qui te sépare de Dieu. Je ne sais pas si je vais trouver encore une autre écriture. 2 Corinthiens, chapitre 3. J'aime ça. 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3. J'ai lu à partir du premier verset. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre écrite par notre ministère. Ah bon? Donc, le ministère écrit une lettre. Est-ce que vous me suivez? J'aime Paul. Vous êtes manifestement une lettre écrite par notre ministère. Donc, le ministère écrit une lettre. Non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre. Ah, j'aime ça, parce qu'ici, Paul est en train de faire la différenciation des lettres. Il établit la différence entre la lettre de l'esprit, c'est-à-dire la lettre de la grâce, et la lettre de la loi. Il dit, non sur les tables de pierre. Quand Paul dit, non sur les tables de pierre, Paul est en train de voir Moïse. Voyez-vous, parce que pour lui, la table de pierre dont il est question ici, Paul voit Moïse. Or, Moïse a apporté la loi. Donc, nous comprenons que la loi est une lettre. Est-ce que vous comprenez ça? Mais sur des tables de chair et sur le cœur, cette assurance, nous l'avons par Christ auprès de vous. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu.
Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ici, Paul nous explique que la lettre qui tue ici, c'est la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse a entraîné le péché du peuple. C'est par la loi que j'ai connu le péché. C'est par la loi que j'ai connu la mort. Donc, quand Dieu est en train de chasser Israël du jardin, cet Israël habillé de la peau de l'animal, c'est en réalité, cet Adam, habillé de la peau de l'animal, c'est en réalité la concubine qui est devenue femme, c'est-à-dire, par conséquent, Israël, qu'on est en train de chasser. Ici, nous disons, la lettre de divorce, c'est la loi. Je vais expliquer davantage. La lettre de divorce, c'est le sacerdoce aaronique. Parce que le sacerdoce d'Aaron n'a pas amené l'homme à la perfection. C'est pour comment? Je crois que je dois encore trouver encore une écriture. Hein? Souffrez. Hein? J'aime ça. Hébreux chapitre 7. J'ai lu le verset 11. Si donc la perfection a été possible par les sacerdoces lévitiques. Si donc. Car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple. Qu'en est-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron. Donc, Paul explique que la loi n'a pas apporté la perfection. En d'autres termes, la loi n'a fait qu'éloigner l'homme de Dieu. La loi n'a fait que chasser l'homme de la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? Donc, cet homme d'Adam, qu'on est en train de chasser, avec la peau de l'animal qui couvre son corps, comprenez que cet homme d'Adam représentait les sacerdoces d'Aaron, il représentait le peuple d'Israël. Et la lettre de divorce, c'est le fait que Dieu l'a revêtu de la peau de l'animal, qui est l'image de la loi, parce que je vous avais dit que c'est par le sang. Prenons Hébreux, chapitre 7 toujours. Sautons, lisons le verset 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Virgule. Je continue pas. Je vais prendre Hébreux chapitre 10, premier verset. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Là, même si tu ne m'aimes pas, je te donne les écritures, tu ne peux pas échapper. Même si ton cœur est rempli des amertumes, même si quand tu vois ma face, ça t'énerve, ok? Mais comprends tout simplement que la question n'est pas de m'aimer. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas. Bon, ouais. Maintenant, vous pouvez laisser les frères s'il y a une préoccupation. Nous pouvons toujours répondre, ça ne pose pas un problème. Donc, vous comprenez? Donc, quand Juges chapitre 19, le verset 3, appelle cette concubine femme, comprend automatiquement que ici, la concubine devient image d'Israël. Dans le verset 2, elle est image des nations. Dans le verset 3, elle est image d'Israël. Maintenant, cette concubine va aller chez ses parents. Est-ce que vous comprenez? La concubine va chez ses parents. Je vais vous faire une topographie. Donc, comprenez que la concubine qui va chez les parents est à la fois les nations et Israël. J'adore le ministère. C'est comme ça que nous allons maintenant expliquer comment cette femme chez ses parents est à la fois nation et à la fois Israël. Or, lorsque nous naissons, ça je suis d'abord du côté de la concubine, parce que nous sommes en train de danser
la danse tango, qui est la danse à deux pas. Deux pas devant, deux pas derrière. Ok? Ici, je parle des prophètes et des apôtres. Donc, vous comprenez que quand nous naissons avec la nature adamique, automatiquement, nous sommes pécheurs. En d'autres termes, automatiquement, nous sommes éloignés de Dieu. Donc, nous rentrons dans la maison de notre Père. Hein? Ici, la maison du Père représente le monde. Nous naissons avec la nature adamique. Ici, je suis du côté de la concubine. Donc, nous les nations, le peuple de la nation, le peuple des nations, quand nous naissons, nous ne naissons pas avec la loi de Dieu. Nous naissons avec le péché adamique. Donc, automatiquement en naissant, nous avons quitté le trône. Nous avons quitté la maison du Lévite. Nous avons quitté la maison de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons dans le monde. Le fait de nous retrouver dans le monde, c'est ça la maison de notre Père. Mais il faut que les Lévites viennent nous chercher. Voyez-vous, frère, c'est là où il y aura beaucoup de choses à dire. Donc, les Lévites doivent faire un déplacement pour nous venir nous chercher. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, les Lévites doivent venir nous récupérer. Mais je vous ai dit que cette concubine est aussi femme des Lévites. Et en étant femme des Lévites, lui aussi, ou elle aussi, Dieu en les chassant, il est sorti, il s'est séparé. Il lui a donné la lettre de divorce. Donc Israël aussi, Dieu doit venir les chercher aussi. J'adore ça. Donc, le mouvement de ces Lévites qui vient récupérer sa concubine, cette concubine qui est aussi femme, dans ces mouvements, il y a deux choses. Il y a la récupération de la concubine, c'est-à-dire des nations, de l'église. En même temps, il y a aussi la récupération d'Israël. Maintenant, nous allons prendre la prophétie, nous allons l'aligner dans les temps. Vous comprenez? Je vais prendre ça maintenant. Je vais aligner ça dans les temps. Pour que maintenant, nous puissions bien nous faire comprendre. Prenons quelques écritures. Un jour, Joseph, il naît dans la maison de son père. Pendant que Joseph est né dans la maison de son père, l'Écriture dit, suivez-moi attentivement. Vous connaissez l'histoire, Joseph a eu son songe, ça a créé la jalousie. Maintenant, le père Jacob, il prend ses enfants, 10. Il les envoie pour aller paître les troupeaux de leur père. Je vous informe que ceux qui sont allés paître les troupeaux, ils étaient au nombre de 10. Benjamin n'était pas dans ces groupes-là. Est-ce que vous me suivez, frère? Ceux qui sont allés paître les troupeaux de Jacob, c'était les 10 enfants de Jacob, qui sont nés de Léa, de Zilpa et de Bila. Les deux enfants nés de Rachel, Jacob et Benjamin, n'étaient pas dans ce groupe-là. C'est très important de comprendre ça. J'aime la Bible, frère. Donc, les enfants qui sont au champ, en train de paître les troupeaux de leur père, ils étaient au nombre de 10, mais issus de 3 femmes. C'est que je vous dis, frère, j'adore ça. J'aime quand je reçois la révélation. Donc, nous avons 10 enfants de Jacob, issus de 3 femmes. Parce que Benjamin et Joseph sont fils de Rachel. Donc, Benjamin et Joseph n'étaient pas dans ces groupes. Dans ces groupes-là, nous avons les enfants de Léa,
les enfants de Bila et les enfants de Zilpa. C'est ici que je vais conclure pour aujourd'hui. Parce que nous allons continuer. Or, les 10 enfants de Jacob, issus de Léa, Rachel et Zilpa, comme ils sont au nombre de 10, ces enfants représentaient la maison d'Israël. Est-ce que vous me suivez? Suivez, frère. Ces enfants représentaient la loi. Parce que Dieu avait donné 10 commandements aux enfants d'Israël. Or, je vous ai dit que la loi de Dieu, c'est tout un sacerdoce. Hein? C'est le sacerdoce d'Aaron. J'aime ça. Alors qu'Aaron n'est même pas encore né. Mais c'est vrai? Ouais, j'aime ça. Donc, les 10 là représentent la loi de Moïse. Et les 10 représentent tout un sacerdoce. Voilà pourquoi, quand Joseph s'est présenté, ce sont les 10 qui ont vendu Joseph. En d'autres termes, qui ont rejeté Joseph. Je vais aller plus loin. Ce sont les 10 qui ont tué Joseph. Parce qu'en réalité, ils ont tué Joseph. Parce que l'écriture dit, ils prirent la tunique multicolore de Joseph, qui a été cousue par le père. Ils trempèrent cette tunique dans le sang. Et ils renvoyèrent la tunique chez le père. Et quand le père a vu la tunique, le père a confirmé que Joseph était mort. Donc, prophétiquement, les 10 avaient tué Joseph. Voilà pourquoi dans ces complots, dans ces rejets, suivez-moi parce que je suis vraiment en train de virguler. Dans les gens qui ont rejeté Joseph, parmi les 10 enfants, vous allez remarquer que Benjamin n'était pas inclus. Donc Benjamin, qui était resté, représente les nations. Pourquoi? Parce que les nations de la terre n'ont pas crucifié Jésus. Ceux qui ont crucifié Jésus, ce sont les fils de Jacob. Voilà pourquoi les jours où on voulait crucifier Jésus, ils ont dit au souverain sacrificateur autre et à Pilate, selon notre loi, voilà, selon Moïse, cet homme doit mourir. C'est pourquoi ils étaient au nombre de 10. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc, les 10 enfants de Jacob représentent la maison d'Israël, représentent la femme du Lévite. Alors que Benjamin qui est resté représente la concubine. Il représente les nations. Je vais revenir là-dessus. J'aime ça. Parce que dans la marche, vous allez comprendre pourquoi, avant que Joseph ne se révèle à ses frères, il exigea d'abord de voir la face de Benjamin. Je vais revenir là-dessus. Donc, or, ces 10 enfants sont issus de Léa, Bila et Zilpa. Je vais vous porter sous les ailes de l'aigle. Ok? Pour que nous puissions voyager avec Moïse. Frère, le voyage est une bonne chose. Ça te permet de voir le monde. Un prédicateur qui n'a pas l'habitude de faire voyager les peuples ne connaîtra pas le monde, frère. Pour que tu aies la géographie du monde, savoir où se trouve l'Europe, l'Amérique, l'Australie, l'Océanie, l'Asie, les pays du monde, il faut que tu sois un homme qui voyage. Donc un ministre qui n'a pas l'habitude de faire voyager le peuple aura des difficultés pour avoir la configuration générale de la terre. Voilà pourquoi je me permets de vous prendre pour que nous voyagions. Prenons. Je suis dans Genèse. Chapitre 29, le verset 26. Là, je voudrais d'abord expliquer pourquoi ces 10 enfants sont nés de Léa, Bila et Zilpa. Genèse chapitre 29, verset 26. Il est écrit. Là-bas dit,
ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Le jour où Jacob vient pour épouser Rachel, le père lui dit, dans notre pays, selon la loi d'ici, tu ne peux pas prendre la cadette avant l'aîné. Donc, quand tu prends cette expression de l'écriture, où la Bible atteste que c'est la loi du pays, c'est la coutume du pays, donc nous comprenons que dans ces pays-là, la loi doit s'appliquer en premier. Or, la loi qui s'applique en premier, c'est que Léa doit d'abord être mariée. Écoutez, frère, c'est pourquoi la Bible dit que Dieu s'est choisi en premier Israël. Donc, l'aîné ici, c'est Israël. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, Léa représente la maison d'Israël. Est-ce que vous me suivez? Non, tu vas arriver. C'est pourquoi les enfants disent, doivent sortir, hein, dans ça. Donc, c'est la loi qui a produit ces enfants. Donc, Léa est le premier. C'est pourquoi la Bible dit que les premiers seront les derniers. Hein? Voyez-vous, ça c'est dans la course. Dans le salut, nous les nations qui étions les derniers, nous allons entrer les premiers. Mais celui qui était premier d'abord, c'était Israël. Donc c'est avec Israël que Dieu fit d'abord l'alliance. Est-ce que vous me suivez? Donc Léa représente la maison d'Israël. J'ai pas fini. Toujours dans Genèse chapitre 29. Quand vous lisez ce chapitre-là, la Bible dit ceci. Verset 29. Laban donna pour servante à Rachel sa fille Bilha. Donc Bilha, c'était la servante de Rachel. J'ai pas fini. Où est notre écriture? Je suis dans Genèse chapitre 30, verset 10. Vous pouvez remonter si vous voulez. Il y a beaucoup de versets. Zilpa, servante de Léa. Voyez-vous? Donc, et Bilha. Et Zilpa, toutes les deux étaient des servantes. Voyez-vous? En d'autres termes, parce qu'il faut que je vous aide, elles étaient des esclaves. C'était des travailleurs. Parlons en bon français, travailleurs avec eux. Au service de Léa et de Bilha et de Rachel. Donc les deux étaient des esclaves. Elles étaient au service d'eux. Maintenant, j'aime la Bible, frère. J'aime la Bible parce que la Bible donne la définition à toutes ces choses. Hein? La Bible. Elle donne la définition à tout. Je vais prendre quelques écritures. Exode chapitre 2. J'ai beaucoup de matière, hein? Mais je vais finir bientôt parce que je vais continuer le samedi prochain. Non, le samedi prochain, je serai absent. Je vais aller à London. Mais disons quand même ça. Prenons d'abord Exode chapitre 1, verset 13. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Hein? Donc, ceux qui étaient esclaves, c'était Israël. Est-ce que vous me suivez, frère? Je suis en train d'expliquer Bilha et Zilpa. Qui sont des servantes. En réalité, c'était des esclaves. Ils représentaient aussi la maison d'Israël. Voilà. Regardez. Prenons Exode chapitre 2, verset 23. Longtemps après le roi d'Égypte mourut, les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Ils poussaient des cris et ces cris leur arrachaient la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Je n'ai pas fini. L'abondance des biens ne nuisant pas. Je vais vous ajouter quelques autres écritures.
il est écrit dans Galates, chapitre 4, verset 24. Galates, chapitre 4, verset 24. Il est écrit. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï enfanta pour la servitude. C'est Agar. Voyez-vous, frère? Donc, la montagne de Sinaï produit des esclaves. J'aime, j'adore ça. Qui toque. Voyez-vous, c'est vrai. Donc, Sinaï n'a rien d'autre à faire que de produire des esclaves. Donc, l'Éternel Dieu, en donnant la loi à Israël, fait d'Israël un peuple esclave. Voilà, j'aime ça. Parce que Dieu savait qu'ils n'auront aucune capacité de vivre la loi. Donc, la loi va les amener au péché. Ils deviendront esclaves du péché. J'aime ça, j'adore ça. Est-ce que vous me comprenez, frère? Donc, Zilpa et Bila, comme étant des servantes, parce que vous savez qu'ici, j'ai la capacité qui m'a été donnée par le Saint-Esprit. Je peux virguler dans beaucoup d'histoires. Hein? Je vous informe que dans ça, je peux virguler dans beaucoup. Je peux faire ressortir des éléments. Je peux déchirer l'agneau ici, commencer à faire sortir les intestins, l'estomac, le cœur, beaucoup de choses. Mais souffrez que je marche d'abord comme je suis en train de marcher. La Bible dit. C'est le mot Sinaï en Arabie. Non, non, rentre d'abord là-bas. Rentre. Galates 4, verset 24. Ces deux choses sont allégoriques. C'est pas grave. Ce sont deux alliances. L'une du mot Sinaï, c'est ce que j'aime. Enfanta pour la servitude. Vous comprenez? Donc, Bila, Zip et Léa, tous les trois représentent la maison d'Israël. Tous les trois représentent la servitude. Tous les trois représentent la montagne de Sinaï. Voilà pourquoi les dix ont dû vendre Joseph. Parce que c'est Sinaï, j'aime ça, j'adore ça. C'est Sinaï qui a donné la mort à l'agneau. Vous comprenez ce que nous disons? Qui a rejeté Joseph? C'est la loi. C'est pourquoi je vous avais dit que lorsque Dieu est en train de chasser Adam, après l'avoir revêtu de la peau de l'animal, techniquement, Adam devait rentrer, frère. Parce que Dieu a tué l'animal, il a pris la peau de l'animal, il les a revêtus. Les ayant revêtus, en d'autres termes, il y avait rémission des péchés. Donc, il pouvait rentrer. Mais avez-vous remarqué, malgré le fait qu'il les a fait porter la peau de l'animal, il les a chassés. Donc, je vous ai dit que ce geste-là de les faire revêtir de la peau de l'animal, c'est le sacerdoce d'Aaron. C'est le sacerdoce lévitique. Elle, il ne peut pas donner la vie. Voilà pourquoi ils vont errer. Donc, Adam et Ève qui sortent, c'est tout un temps. C'est l'errance d'Israël. J'aime ça. J'adore ça. C'est l'errance. J'aime ça. Oh, quand Israël est en train d'errer, il va aller chez son père et rester pendant 4 mois. C'est pourquoi les Lévites doivent descendre après 4 mois pour aller rechercher sa femme. C'est vrai ça? Je mets un point virgule pour te donner le goût, hein, de venir, hein, dans notre nouveau rendez-vous. Donc, parce que je n'ai pas expliqué les 4 mois, j'étais en train de m'introduire. Parce que quand Adam a été chassé du jardin, je t'informe, Adam a fait 4 mois avant de rentrer. J'adore ça. Adam, là, il a fait 4 mois. Parce qu'après 4 mois, il faut que Dieu sorte pour aller les chercher. J'aime ça. Et j'aime ça beaucoup. J'aime ça beaucoup. C'est pourquoi le jour où Lazare est mort, avez-vous remarqué ça, frère? Parce qu'ici, Lazare, c'est la concubine.
Parce que j'étais fort, mais que même pour que Christ vienne nous chercher, nous allons d'abord faire 4 mois. 4 mois. Ça, j'aime ça, frère. C'est là où je vous ai toujours dit qu'il y a des gens, ça leur prendra des kilomètres de marche pour nous atteindre. Ça vous prendra des kilomètres. J'étais fort, mais. Parce que je vous ai dit que je vais expliquer. Je vous avais dit que d'être calme. Je ne suis pas prophète. Le ministère prophétique a expliqué ça à la prophétie. J'explique dans les doctorats. La concubine, qui est à la fois concubine et femme, a fait 4 mois dans la maison de son père. Donc, quand les Lévites sont venus la chercher, donc c'était au 4e mois. Donc, nous comprenons que Dieu viendra prendre Israël au 4e mois, que Dieu viendra prendre l'église au 4e mois. Ça, j'aime ça. J'adore ça. C'est pourquoi, les jours où Lazare est mort, parce que j'étais fou, qu'on a pour dire à Jésus que Lazare est malade. Nous comprenons que Lazare qui est malade, c'est toute une concubine infidèle. Jésus, au lieu de partir, il attend. Parce que Jésus savait que Lazare est dans la maison de son père. Une femme concubine infidèle. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? Il va laisser Lazare jusqu'à ce que l'on va l'enterrer. Nous comprenons. Le 4e jour, il fait les déplacements tout comme les Lévites qui au 4e mois vient rechercher sa femme, sa concubine. Si le Seigneur nous garde, nous allons nous retrouver le samedi dans 8. Comme disent les Français. Concluons. J'ai voulu vous dire, frère, que cette concubine, dans ce mouvement-là, l'Éternel Dieu parle à la fois de deux peuples. Il est en même temps en train de parler de nous et en même temps en train de parler d'Israël. Mais comme je vous ai toujours dit, le ministère, c'est comment faire ressortir ces deux choses quand tu expliques. Comment faire ressortir ces deux choses quand tu marches. Le ministère est une marche. Non, le ministère, ce n'est pas un cri. Ce n'est pas un dialelo. Tu vois, le ministère, c'est toute une marche. Ce sont des virgules, des coups d'œil. Parce que nous sommes dans les labyrinthes de Salomon. Comme les labyrinthes de Salomon a plusieurs appartements. Donc, le ministère, c'est celui qui a des repères pour que nous puissions marcher ensemble. Vous savez combien ça nous offre? C'est pourquoi vous allez comprendre que dans ce que nous allons dire ici, nous parlons de toute la Bible. Laisse que les dieux du ciel puissent vous bénir, qu'ils vous gardent. Je suis toujours en train d'espérer que nous aurons notre radio à la fin du mois de janvier, tel que nous l'a promis le bien-aimé Fred. Mais cela ne vous empêche pas de continuer à apporter vos contributions. Et cela ne vous empêche pas également de ne pas nous bénir, parce que nous en aurons besoin pour financer et faire beaucoup de choses comme ça. Voilà, que le Dieu du ciel, le créateur de choses visibles et invisibles, celui qui appelle des choses du néant pour que ces choses-là viennent en existence, j'ai prié que ces dieux-là puissent vous garder et garder les membres de vos familles et vous protéger davantage. Et nous espérons que vous aurez assez de temps pour digérer. Allez, laissez-moi vous souhaiter bonne digestion. Oh, 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 oh